Hello, hello, cher passionné de crypto-monnaie, comment allez-vous? J'espère bien. Voici un airdrop que je partage avec vous, l'airdrop Chia. Ici, il s'agit de réclamer un Chia, et nous allons vérifier sa monnaie après sur Pocon Swap, donc, oui, ou sur PancakeSwap. Donc, je vais vous montrer comment vérifier la valeur du jeton actuellement. Et en ce qui concerne l'airdrop, ici nous avons encore 23 jours pour pouvoir réclamer ce token. Vous voyez bien, un Chia Clean. Donc, et le prix actuel, le prix de vente, donc voilà, prix sale, ça le prix de vente, 200 Chia pour 0,05 BNB. Donc, par la suite, on a le contrat. Le contrat intelligent du smart contract, et il y a possibilité de faire du référencement. Donc, sans plus tarder, je suis déjà connecté sur Trust Wallet. Donc, j'ai déjà choisi la Binance Smart Chain. Je peux vous montrer Binance Smart Chain, c'est fait là. Binance Smart Chain, attendez un instant, j'ai eu une Binance Smart Chain. Ah non, attendez, vous voyez là? Non, vous voyez là? Binance Smart Chain, c'est fait. Là, ce que je vais faire, je vais scroller vers le bas, je vais chercher Clean Airdrop. Ok, c'est fait. Clean Airdrop, c'est fait. Je vais effectuer le paiement. Donc, c'est gratuit. Donc, vous n'avez qu'à payer juste les frais de gaz, les frais de réseau. J'approuve. C'est 0,16 dollars, 16 centimes, autant pour moi. Donc, une fois que c'est fait, donc je vais rentrer dans mon wallet. Je vais copier directement. Je viens copier mon lien BNB, je rentre là, je viens coller ici. Ah non, il est déjà collé, donc il est déjà collé, il y a référé. Il est déjà référé, oui, je vais générer, ok, ça fait. Une fois que j'ai copié, c'est bon, je vais copier, voilà, ok, ça fait. C'est déjà copié, je vais. Ok, super, je vais mettre ça comme. Là, bon, c'est mon change. Je vais faire la capture. Je partage directement. Oh, non, ça va. Là, je vais copier l'adresse du smart contract. Je copie l'adresse du smart contract. Je copie l'adresse du smart contract via le BSCAN. Voici l'adresse du smart contract ici. C'est fait. C'est fait. Là, je rentre sur portefeuille. Ajouter jeton, les termes répertoriés. On va voir. Oh oui, voilà un chien. Donc, voilà, c'est ce que je viens de réclamer tous les soldats. Ah non, pas encore. Je sais pas ce que je viens de réclamer. Ce que je viens de réclamer, c'était juste pour vous montrer. Voilà, ça, un chien. Maintenant, nous allons aller voir la valeur de ce jeton sur Pocon ou PancakeSwap. Non, disons, allons sur PancakeSwap, c'est plus rapide. Allons sur PancakeSwap. En BNB, on va voir sa valeur en BNB déjà. On va coller là. On va sa valeur. Import. On va sa valeur, ce que ça donne. Ce que ça donne ici, il faut. Bon, là, on ne peut pas réellement voir celle-là. C'est mieux dans. Même si on pourrait voir, mais il va falloir que j'essaie de mettre des montants. Je mets ici, ici 1. Je mets ici 1 pour voir. Voilà. Voilà ce que ça me donne en BNB ou c'est faible, c'est encore faible pour l'instant. Je vais sur Swap, vous allez voir à peu près ce que ça va me dire comme. Ça va me donner comme montant. Attendez, on va cliquer sur Swap. Là, bon, si je vais. Attends, la valeur ici est sensiblement de 0,2 centimes. Non, c'est sensiblement 0,2 centimes. Donc, s'il faut swapper un 802 centimes, bon, c'est pas grave. Nous allons rentrer encore ici dans Dapps. On va chercher Pocoin. Pocoin, on va taper là, c'est plus facile. Pocoin, c'est pour vérifier la valeur actuelle du token. Pocoin.
Non, c'est pas ça, il est ici, il est là. Et voici pour coin d'Aps. Alors voilà actuel. Voilà actuel du jeton. Voilà la valeur actuelle du jeton. Il est sur Pokémon, il est où? Non, il faut qu'on colle l'adresse de contrat ici. Voilà, le fier, c'est ça. Voilà. Vous voyez, actuellement en BNB, il vaut ça. En BNB, il vaut 0,02, ce qu'on a vu tantôt là. Oui, on peut aussi changer et avoir la valeur en dollars. Mais bon, c'était juste pour faire une parenthèse là-dessus. Donc, je laisserai le lien d'affiliation en bas de page pour permettre à toute personne intelligente qui est passionnée de crypto-monnaie de pouvoir passer à l'action et de se faire de l'argent tous les jours, de commencer à faire du staking. Actuellement, la monnaie est encore à airdrop. Donc, profitez du airdrop tant qu'il est temps. Ok, lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye.